Cher Donald Trump. Cher Pantin, cher Latin, oui, cher Donald Trump. Si je t'écris aujourd'hui, mon cher Donald, c'est afin que tu mettes un terme à cette vaste blague avant qu'il ne soit trop tard. Moi, venir en ami. Moi, même tribu que toi. Moi, parler même langage. Bien sûr, rien ne m'étonne venant d'un homme comme toi. Mi-thomane, mi-isogyne. Mais enfin, c'est pas parce qu'on s'appelle Donald qu'on est obligé de se comporter éternellement comme le dernier des canards. Et c'est pas faux d'y mettre du tien pour qu'on te considère comme complètement cinglé. Mais qu'importe les horreurs que tu assènes, aussitôt dit, c'est oublié. Ça doit être ça, vivre en amnésique du Nord. Fric, fric. Argent, argent, moi parler argent. Ensuite, ta campagne confirme que c'est encore dans les vieilles peaux qu'on fait les meilleures soupes. Et un bon soupe, c'est de la peur et un ennemi commun. En l'occurrence, les étrangers. Comme ça, au milieu de cet océan menaçant qu'est le monde, tu n'as plus qu'à te faire passer pour le grand ricain blanc. Celui qui va très rapidement redorer l'image de l'Amérique. Mais en politique, comme ailleurs, il faut se méfier de la restauration rapide. Donald est à la politique ce que McDonald est à la cuisine. Tes idées sont comme leur burger. Il faut que tout le monde les gobe, et peu importe que ça file la gerbe. Et puis enfin, en affirmant tout haut ce qu'habituellement les fous taisent, tu as prouvé qu'il y avait plus efficace que le populisme, le simplisme, et que les gens n'attendent que de croire en quelque chose qui les dépasse, en l'occurrence, le fabuleux destin de l'Américain. Car les raccourcis rassurent et l'abêtissement des foules. Et c'est ainsi que tu as brillamment rassemblé autour de toi un paquet d'idiolâtres. Bien sûr, tu as tout ce que les hommes politiques modernes rêvent d'avoir. Un excès de confiance en toi, un sens presque inné du mensonge, une vulgarité sans autre pareil. Mais enfin, laisse donc la politique aux gens dont c'est la seule source de revenus. Fric, pognon, dollar. Alors, mon cher Donald, je te le demande en ami, retire-toi. Et continue de préférer l'investissement à l'investiture. Car sinon, tu risques de basculer du côté obscur de la farce. Tendrement, Michael. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me donner un petit coup de pouce, bleu de préférence. Et puis pense à t'abonner à Lettre ou ne pas lettre pour ne plus jamais louper ma correspondance. Et je te donne rendez-vous mardi prochain à 17h pour une nouvelle vidéo. PS, chers Américains, en élisant un type qui s'appelle Donald, vous risquez fort de vous faire miquer. Alors avant qu'il soit trop tard, pensez à la ligature des Trumps.